Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Classified France 44. On est toujours en live, et on continue notre petite aventure. Alors, on avait débloqué un bar, hein, qu'on va aller filer, je pense, à Alami. Là, on a un MK2 embuscade. Tiens, j'avais pas vu ça. Il fait exposition, le bar, il a rien. Hein. C'est truc de base. Putain, précision, par contre, encore plus basse, quoi. Vraiment compliqué. Mais on pourrait lui mettre un MK2 un peu amélioré. Bah go, on va mettre ça. Et du coup, c'est Johnson qui va prendre le bar. Ça picote, hein. Du coup, on va peut-être aller regarder un peu. Donc toi, t'étais plutôt parti vers le tank. 10 au bonus de couverture, 5 à la précision du tir rapide. C'est pas, tu fais pas vraiment de tir rapide, toi. On va partir sur ça, mais je pense qu'on prendra quand même l'armure. Parce que l'armure, le 1 de bonus, le petit 1 d'armure, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, toi, t'as rien de nouveau. Toi non plus. Toi, t'as 2 points. Et on avait besoin de 2 points. Ouais, on peut aller chercher. S'il vous reste des PA après avoir éliminé un ennemi avec votre arme principale, ces PA ne sont pas dépensés, votre tour se poursuit. Ça, c'est force. Zikino, il va avoiner. Toi, t'as 2 points également. Tu peux aller chercher une deuxième grenade, ou un dégât au fusil de chasse, ou les deux. Ah non, une deuxième grenade, c'est 2 points. Elle va chercher une deuxième grenade à l'astre. Et toi, t'as 1 point, mais je crois qu'il t'en faut 2. Ouais, il t'en faut 2 pour aller chercher ça. Donc, à l'astre, 2 grenades. Vas-y, mange. Au final, on est tous à la grenade, là. Non, on a les grenades 2, bombe collante et bombe collante. Oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est chiant, parce que du coup, s'il n'y a pas de véhicule, ça sert à rien. Mais le jour où il y a un véhicule, je pense qu'on sera content de l'avoir, quand même. Ok, au niveau de eux, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ah, un bon MK2 amélioré. Mais de la confusion. Ah, ça stun la cible, pas mal ça. Il faut qu'elle touche par contre. 55% de précision, c'est pas si mal. British uniform. Et la tenue... Dégâts des armes à feu et points de vie plus 1. Pas mal, ça. Oui, c'est carrément cool. Alors, il y a des trucs qui sont pour les femmes. Hein. Là, par exemple, ce béret, là, il est que pour les femmes. Un nagan... Plus de dégâts, on baisse un peu la précision... Ouais, mais il y en a assez souvent des armes de poing, donc ça m'embête de dépenser pour ça. En gros, il a 2 de munitions et les tirs ne peuvent pas être esquivés, mais en général, c'est plutôt la précision qui pêche, quoi. Ouais, non, c'est pas hyper intéressant. Et lui, on mettra de l'exposition au lieu de du truc. Ouais, non, c'est pas... C'est pas fondamental, on va garder un peu de ravitaillement. Notamment parce que King doit aller se soigner, ça prend 4 jours. Vas-y. En plus, t'es fatigué, donc de toute façon, on t'en verra pas. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme mission? Les Allemands ont établi un camp sur une route secondaire que nous utilisons pour la contrebande. Ok. On avait déjà plus ou moins ça. Maintenant, on a quoi comme récompense?
toujours le MP40 et le STG44, et maintenant on a un Walther P38 en plus. Pourquoi pas. Ici. Un camion rempli d'armes est tombé en panne et les Boches se rapprochent. Protège au moins un stock de ravitaillement, deux stocks de ravitaillement, tue les ennemis rapidement. Ok. Une carabine. Une mise de maquisard pour un français, ah, qui donne un bon bonus. Et un calot de garnison qui donne un bonus correct. Ok, pourquoi pas, en plus ça booste les radicaux. Et ici, un Lysander a été abattu, c'est un truc de type standard, ça change un peu. Un bar de type bandit. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie, ta ciblage? Ciblage, c'est fort. Un pantalon Bradley, un point, plus un point d'action, ouh, oh, c'est, oui, bah, ouais, oui, oui, bah, ouais, ouais, j'ai envie de dire, ouais. A priori, ouais. Et le dernier, on va regarder quand même. Un Anfield, un nouveau Anfield, 2% de dégâts critiques, 1 point de dégâts, 5 au bonus de camouflage, et 1 point de vie. Alors, ouais, le pantalon qui donne des PA en plus, je pense qu'il n'y a pas trop photo. On va vite regarder parce que du coup, normalement, on a dû débloquer des trucs, voilà, pour les grands bretons. Pour les grands bretons, on a ce truc-là, du coup. 1 point de vie, 1 dégât des armes à feu. Je pense que c'est pas mal pour toi. Vas-y. Prends. Prends ça, Nardinus. Et ouais, je pense que là, pour le coup, le 1 point d'action, là. Et le bonus de couverture est cadeau en plus. Ouais, on va prendre cette mission-là. Oui, pardon. Faut que je mette des gens. Alors, qui on prend? Ceux qui sont pas trop fatigués déjà, et après, tant qu'à prendre un mec à deux, on va prendre lui. Ça me... À l'ami, il prend du retard en niveau malheureusement, mais ça m'embête de reprendre deux mitrailleurs. Allez, c'est parti. Eux vont se déplacer, il y a une probabilité qu'ils viennent ici. Ah non, pas tout à fait, ok. C'est après qu'il se déplace, très bien. Ça c'est cool. Alors, voyons voir ce qu'on nous propose. We need to get those plans before the Jerry's decode them. We don't want them rolling up our networks. Ah oui, puis alors on apparaît genre au milieu de la foule, quoi. Alors, lui, il va faire demi-tour par là, lui par là. On a une belle position, là, pour... Ah, il y a du barbelé, excellent. Oh, on en a un qui peut couper des barbelés silencieusement. Pas dans notre groupe, merde. Par contre, toi, tu gagnes des PA quand tu fais une élimination au corps à corps, donc j'aurais envie de te dire que... Vas-y, direct. PA de plus, on peut se foutre dans un buisson. Ben, c'est parfait. Du coup, il va falloir qu'on coupe ces barbelés et ça va faire du bruit. Donc, dans l'idéal, il faudrait qu'on les coupe par là. Histoire de pas faire trop de bruit visible. On va rester dans notre buisson, par contre. Toi, t'as ton petit bar. Ah, on est vraiment coincé, quoi. Y'a pas moyen de rentrer quelque part, là. Vas-y, rentre par là. Tu iras t'occuper de lui. Pour l'instant, reste dans le buisson. Et toi, du coup, si on le place en hauteur, avec son attaque à 5, même s'il a 10 points là, si on le place là-haut, il pourrait mettre deux attaques, quoi. Deux tirs de snipe
C'est carrément intéressant. Il n'y a pas de buisson là? C'est pas des buissons tout ça. Ça c'est un buisson. Et là, alors, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lui il bouge pas, lui va se tourner, lui va par là, lui va par là. Ok, donc tu peux avancer jusqu'ici en vrai. Tu peux avancer jusqu'ici, ça fait partie des choses faisables. Ils sont côte à côte, donc si on les tue, il faudra qu'ils vont faire du bruit. Alors, toi. Tu peux aller jusqu'ici. C'est déjà pas mal. Vas-y. Ok. Très belle position. Sachant que de toute façon, ils vont... Dans 3 morts, enfin dans 2 morts, ils se réveillent. Donc... Alors, lui, il laisse tomber une trousse de soins en mourant, il peut restaurer les PV des ennemis. Ok, intéressant. Et on a un mitrailleur confirmé, les tirs de couverture infligent d'importants dégâts au moral, les attaques mettent fin à la couverture. Ok. À la surveillance, pardon. Donc ici, lui, il continue d'aller par là-bas, ce qui veut dire que on serait plutôt bien d'aller se mettre ici, pour pouvoir le choper. C'est où qu'on a ouvert? C'est ici qu'on a ouvert? Non, c'est ici qu'on a ouvert. Il y a lui qui va se tourner vers nous, là. Béton. On ne verra pas jusqu'ici. Viens là. Infiltre-toi. Par contre, du coup, ici... Il y a lui qui nous coince, et en plus on est... il regarde en plein notre truc là. Bon, ça dit heureusement qu'on n'a pas avancé, sinon ils nous auraient repéré du coup. Et on va devoir rester dans notre petit buisson, on va voir jusqu'où il va. Et là ça patrouille. Lui il fait sa vie dans sa petite maison. Allez, avance un peu. Parfait, on pourra le passer dans son dos. C'est excellent. Lui va peut-être nous empêcher de poursuivre lui, par contre. On va voir, mais... Ouais, je crains que... Ouais. Dommage. Oh, puis alors, on était pas loin de se faire choper, là, au final. Putain. Il repart par là-bas après. Ouais, donc du coup, on n'est pas si bien placé en vrai. Lui, il fait quoi? Il continue son chemin par là-bas. Bon, pourquoi pas. J'aurais peut-être dû du coup me foutre là et couper du barbelé plutôt. Lui va aller par là. Ok, donc du coup, quoi? Tu vas grimper tout là-haut. Tu seras extrêmement bien placé. Toi, par contre, t'es extrêmement pas bien placé. Je pense qu'on va rollback dans le buisson là. Quoi? Tu vas te mettre là. On va couper le barbelé là. Tu fais pas suffisamment de bruit. Vas-y, coupe-le. Ça fera toujours un peu plus de d'endroits où passer. Et on va voir si on peut essayer d'aller choper celui-là. Toi par contre, alors lui du coup, il fait rien, là il y a 4 tourants qui apparaissent, ouais, on peut se faire celui-là. On peut carrément se faire celui-là. Alors il y a des mitrailleuses là, on pense qu'on ne pourra pas s'en servir. Ok.
Peut-être essayer. Alors lui, il va regarder là, mais on va peut-être essayer de se faufiler par ici là pour aller titiller un peu des gens. Alors là, prochain mort, on passe en embuscade. Hein. Donc attention. Toi, t'es à la carabine. Si je t'amène jusqu'ici, on serait pas mal. Mais il faudrait qu'on se place avant, de préférence. Là, il va y avoir une apparition dans 3 tours. 3 tours, ça laisse le temps de voir venir. Si on se met ici, 50%, mais plutôt ici, parce que là, si on tire, on a moyen de se les faire à la mitrailleuse là, je pense. Vas-y, viens là. Parfait. Toi, t'es bien placé en haut. Toi, tu vas gagner. Tu vas venir jusqu'ici. Jusqu'ici. Ouais, jusqu'ici c'est pas mal. Et avec... Pas toi, pas toi, toi. On va mettre un petit coup de couteau là. Bien placé. Et on lance l'embuscade. Il y a du monde, hein, putain la vache. At your service. Yep. G'day. Alors là, déjà. Ah, il y a un chouï trop loin, on peut pas se faire le deuxième, team. Sauf si je vise celui-là. Si je vise celui-là, ouais. C'est pas mal. On touche ce truc-là, on fait mal aux deux. Ouais, ça c'est très très bon ça. Vas-y, allume. Bon. On s'est fait le médecin, c'est déjà pas mal. Honnêtement, c'est déjà pas mal. Toi, t'as quoi comme possibilité? Un 100% ici. Un 100% ici. Un 100% ici. Un 100% ici. Ok, c'est pas mal. On verra qui reste en vie à la fin. Alors là, il y en a un qui est planqué derrière. Attention à lui. Toi aussi, t'as un bon 100% un peu partout là. T'as un bon 100% sur celui-là. Hein. Cible sapée. Vas-y. Hop là. Toi avec ta Thompson, t'as rien de fou à faire. Tu pourras t'occuper de celui-là du coup. Frapper après une animation au corps à corps. Est-ce que tu fais assez de dégâts pour tuer celui-ci? Pas vraiment. Par contre, on défonce son moral, donc ouais, on va le faire. Voilà, on se débarrasse de son moral, c'est excellent. Donc, il a laissé une trousse de soins derrière lui, du coup. Et donc là, on peut faire deux tirs. Donc ça, c'est un soldat. C'est plutôt le mitrailleur que j'aimerais bien gérer. Pas mal, surtout qu'il a un sacré jauge de PV, l'enfoiré. Ah, l'enfoiré. Ah, putain. Ah ouais, là, ça a piqué, là. La très belle grenade, là. Ok. Ça fait mal aux fesses. Et s'il dit, il a souffert. Alors, là, du coup, je peux toucher ce truc-là, mais n'importe qui pourra le faire. Ah putain, je vois pas le mec de l'autre côté là. Fuck. Ça, c'est la merdouille. Il y a les mecs qui arrivent là dans deux tours. Grenade.
grenade, mais le problème c'est que derrière il y a lui qui va faire des trucs. Ouais, donc c'est pas grave. On y va. On fait mal au moral, c'est objectif. Ici, le problème c'est que je vais toucher mon pote à combien? 50%? Beaucoup 50% quand même. Hein. Pour faire du tir ami. Voilà. Ok. Plus de morale, c'est excellent. Lui, malheureusement, on peut pas le gérer, sauf à lui balancer une grenade dessus. Non, il est trop loin. 18%, c'est hyper mauvais. Une couverture complète, brisée, moins 25. On a moins de chance. Ah non, c'est nous qui sommes brisés, ouais, je me disais, pardon. C'est pour ça qu'on a aussi peu de chance de le toucher. Bon, on va essayer de se faire lui à 50. Excellent. Excellent, excellent. Ça va quand même piquer, hein. Eux, ils sont brisés. Lui, il lui reste 6 points. Lui, c'est lui qui va faire chier, par contre. Qu'est-ce qu'il fait? Il surveille, ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il veut essayer de finir mon mec? Je ne sais pas. Ok, t'as un peu remonté ton moral, toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Un 100% ici. Alors du coup, tu conserves l'épée après une élimination. Oui, ok, c'est ça la subtilité. Donc vas-y. Fais-toi celui-là déjà. Bon voyage. Bon voyage. Et du coup, on a nos 5 de dégâts. On a nos 5 de points d'action, pardon. On va essayer de se faire celui-là à 45%. Bien joué. À 2 morts par tour, ça, ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment très bien. Ici, ils vont apparaître. Ce qui est embêtant. Clairement, c'est très embêtant. D'autant qu'il y a encore celui-là qui fait chier, plus l'autre là qui est dans notre dos, qui fait je ne sais quoi. La surveillance, c'est qui? C'est celui-là qui fait de la surveillance, là. L'autre a 11 points, donc ouais, non. Si je vais ici... Si je prends mon petit flingue, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. En fait, j'essaie de désactiver la surveillance pour que lui puisse aller mettre un coup de pompe là. Mais ça me paraît compliqué. Ah, je vois le grenadier là. D'ailleurs, c'est un peu chiant qu'il y ait un grenadier là. Mais à aucun endroit, si là je le vois... J'aurai 0% de chance, mais si je désactive cette surveillance, c'est déjà ça. Non, puis ça fait un peu de morale, c'est toujours ça de prix. Ok, donc toi du coup, tu peux venir là. Zéro couverture. Et tu nous... Alors c'est pas un pompe, c'est la Thompson. Mais au moins on se le fait. Ok, très bien. Oh putain. D'accord, ok. Par le pompe, il fait tellement mal au moral. Et là, on est hyper mal placé. Non, ça va. Franchement, ça va. Okay. Ok, très bien. Ici, on est debout de nouveau. On peut reparer le moral. Ça me paraît pas mal. Vas-y. Excellent. Donc du coup, avec ta carabine, t'as un 80% sur lui, un 52% sur lui. Là-bas, c'est beaucoup trop loin. 80%, là, il me plaît bien. Hein. Et en plus, on lui met du coup 100% de chance de faire des critiques. Ça, c'est très bon. Ici, là, j'aurais 60% de chance de le toucher, mais plus de points d'action. C'est ballot. Et ici, je serais vraiment trop à découvert si je me mets là. Donc, toi, on verra plus tard ce que tu fais. Toi, il faudrait que tu recharges pour faire quoi que ce soit. Toi, il faut que tu recharges. Vas-y, recharge.
Et donc, on a un 100% ici qui tue pas, mais pas loin. 44, 43, 43 sur lui. Ils ont quoi, eux? MP40. Bon, c'est le sapeur qui me fait un peu flipper. S'il balance une grenade, ça peut faire mal. En plus, il a le bonus là où on fait des coups critiques, donc autant pas s'emmerder. Alors, ici on est mal placé. Hein. Il faut se replier, faut qu'on recharge. Charge. Hop. Et on peut mettre une surveillance. On va mettre une surveillance. Ici, est-ce qu'on a moyen de se débarrasser de lui? 2%. C'est naze, 2%. Ici, j'ai un 11. Je pourrais attaquer après, mais 30%, c'est pourri. Ici, j'ai un 55, mais alors eux, ils sont carrément bien placés pour me faire mal. Où je me planque. Le planque là de lui. Et lui, son problème, c'est vraiment qu'il nous fait mal avec la... Il nous fait mal au moral, en fait. Je me prépare pour la suite et je viens me mettre là. Allez, go. Il est brisé, donc il fera rien, il se replie juste. Parfait. Allez, coupe-le. Excellent. Ah oui, là, on est brisé sur ces deux-là, là. C'est dommage. On peut pas remonter le moral, du coup. Mais pourquoi tu peux pas faire ça? C'est quoi, ça? Ah, c'est pour remonter le moral de soi-même. Ok, très bien. Ok, ici, si je me mets là, j'ai un 60. Si je me mets là, j'ai un 90. Bah, tu vas aller chercher le document et... me défoncer ce mec. Voilà, c'est cadeau. Alors il faut qu'on tue des ennemis avec des grenades. Aussi. Se placer. Ouais, tu peux lancer des grenades assez loin. Ah, tu peux lancer des grenades loin, hein. Vas-y, lance une grenade. C'est dommage qu'on puisse pas détruire les couvertures, par contre. Allez, on s'en fait un avec des grenades. Et toi, tu peux rien faire, donc passe le tour. Ah putain, le mitrailleur là, il nous fait mal au moral. Je veux venir ici pour 12, non, il faudra que je puisse lancer une grenade. Je veux venir ici pour 5. Et ils sont beaucoup trop loin, malheureusement. Pas assez de PA. Ah oui, c'est 6. On va prendre le 14 pour attaquer un peu son moral. Quoi ? On ramasse ça. Vas-y, sors. Too close. Mind your fire. Non, c'est une très mauvaise idée. Bon, ici, on va couvrir comme ça, tant pis. Là, pareil. Taking my sector. On need support. They're on my flank. Des renforts qui arrivent dans le dos, on va se barrer. Ouf.
L'autre, il nous fait mal, là. On se barre de cette bagnole. Encore un tour pour ce truc-là. Ok. Ah, faut que tu recharges. Fais chier. Et tu peux avancer jusqu'ici et balancer une grenade, par contre. Un mort de plus à la grenade. Lui, on le brise. C'est excellent. Ah, lui, il peut récupérer. Ok. Alors, quelles sont nos chances de toucher? Ah merde, il est sur le chemin. Lui. Là aussi, il est sur le chemin. Et il a plus... On a plus de chances de le toucher, lui, que les ennemis. Donc, du coup, non. Mag's almost empty. C'est pas hyper idéal, ça, 0%, on va dire. Est-ce que tu peux trouver une meilleure couverture? La voiture, elle me fait un peu flipper, maintenant, là. Bon, tente de progresser un peu, vas-y. Je suis pas encore mort, j'espère bien. Ok, lui recharge, il fera rien d'autre normalement. Vas-y, viens là. On aura les brisés, c'est parfait, ils sont en charge. Ça c'est juste un buisson, c'est pas une couverture. Mais on a un 85% de chance de toucher, mais on n'aura pas de quoi toucher. Merde. Ouais, parce que du coup, on a que un point de mouvement possible si on veut toucher. Bon, c'est pas grave. Toi, il est temps que tu te casse d'ici. En mouvement. Sie greifen meine Flanke an. Hein, mine de rien, avec ça, ça vaut le coup. Excellent, un critique. Très bien joué. Du coup, ça vaut le coup que toi, je pense, tu viennes te mettre là. Move it. Meine Flanke ist offen. On le rate, mais il a plus de morale, hein, donc il fera rien de toute façon. Donc on peut se permettre ce genre d'action un peu greedy. Par contre là... Oh putain, et vache, il m'a one-shot ce salaud. Est-ce qu'on a le soin? On n'a pas le soin, donc il faut qu'on aille jusqu'ici. On ranime. Et on se met à couvert avec ce qu'il nous reste de points. Toi, tu te mets à couvert. Ici. Alors attention. Avec ce qu'on peut tirer. Il te reste des balles, toi. 90%. Vas-y, finis-moi ce con. Ok, ça c'est fait. T'as pas besoin de recharger, mais ça c'est risqué parce qu'on va faire du tir ami. On va garder ça pour pouvoir rebooster le moral éventuellement des copains s'il y a besoin. Ok. Tout le monde peut atteindre la zone, là, normalement. Alors, ça s'est complexifié depuis l'augmentation de difficulté. Alors, on n'a pas changé la difficulté, Nerdinus. Mais oui, ça se complexifie. Clairement, on a eu quelques échecs. Allez, tirez-vous.
Bon, on n'a pas tout réussi, mais c'est pas si mal. En même temps, ils commencent à avoir beaucoup de PV, hein, c'est tendu de les tuer avec des explosifs. Hein. Quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Oula, ouf. Par contre, ouais. Commence à prendre niveau blessure et tout, là. Hein. Allez, on continue. On y va. When I was in college, we played Army at Yankee Stadium. One of the toughest drag-out games I ever experienced. But I remember the pre-game. Coach Layden whipping up a frenzy. The fighting Irish ready to kill those cadets. Listening to the code words come over the radio, I felt like I did in that locker room. Our orders were to step up activity. It was the opening whistle. We won that game 7-0. Army barely gave us an inch. We limped off the field, beaten raw as if by savages. Like that game, I could smell this was going to be one of those kinds of fights. Ok, c'est pas si mal. Jour J aura lieu dans 43 jours. On a récupéré un petit peu d'équipement. Le pantalon qui donne des points d'action, là. Très très bon. Et on devient un peu plus spot avec les gaullistes. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont? Pays de Loire, tous les alliés bénéficient de 10% de dégâts au moral supplémentaires. Tous les alliés ils gagnent 5 maximum de morale. 4 à la force de la résistance, et le délai des représailles ennemies est augmenté. On va aller chercher ça, tiens. Alors, là ils vont bouger eux. On gagne un petit peu de force de résistance. Ah, des recrues, ça c'est cool. L'armée allemande exerce des représailles lorsqu'elle organise une riposte contre la résistance dans une région. Si une région est sous le coup d'une représaille, un de ses trois segments est détruit, ce qui suspend ses capacités. Ok. Here's an African soldier who's keen to join us. Over here, London has sent us some damn Yankee. I can't vouch for him. Pick your poison, ladies and gentlemen. Who shall we go get? Ah putain, il vient ici forcément. Représailles dans 3 jours. Mais on peut pas les arrêter, les représailles. Hein. Si rien n'est fait, alors est-ce qu'on peut faire quelque chose du coup? L'opération Quicksilver. Ah oui, c'est vrai, c'est le coup des faux tanks posés par le général Patton là, en face de Calais. Alors du coup, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose en vrai? L'impression, hein. Pas l'impression qu'on puisse faire quelque chose. Je vais faire une petite pause, excusez-moi, je reviens tout de suite. Hop là, de retour, je vais profiter pour faire une petite sauvegarde. Du coup, en fait, ces missions-là restent, on dirait. Là, il y a toujours le pont à détruire, là, il y a toujours le camion rempli d'armes. Je pense qu'aller chercher des nouveaux résistants, ça peut être pas mal. Donc on a le droit à un tireur d'élite. Un tireur d'élite américain ou un éclaireur africain. Je vous laisse dire dans le chat si vous avez une préférence. Là on est sur une embuscade, là on est sur de la furtivité. On est obligé de faire que l'un ou l'autre, donc dites-moi s'il y en a un qui vous tente plus. En attendant, on va aller gérer un peu l'équipement. You should meet Sister Agatha from my grade school. Arm her with a ruler and she'd win this war single-handed. Don't mess with a nun, brother. Si tu as beaucoup de blessés, vaut peut-être mieux jouer la furtivité. Alors le problème de la furtivité, c'est qu'il faut réussir à rester furtif. Ce qui n'est pas forcément évident, on va dire.
On va aller voir ce que nous propose les Gaullistes level 2. Un bar d'assaut. 2 munitions et rechargement réduit à 2 PA. C'est pas mal. C'est 5 PA normalement. Un casque qui donne 1 de blindage. Bah, ouais, go. Alors du coup, toi, il va falloir que tu te reposes. Toi, t'es encore en train de te soigner. On va pouvoir partir encore avec deux mitrailleurs. Toi, si tu prends le bar bandit, tu gagnes ciblage et des dégâts. Ça me va. En secondaire, on a un Nagant. On réduit la portée, ce qui n'est pas idéal. Ce sera plutôt pour toi. Plus de dégâts, moins de chances de faire des critiques, mais... Plus de dégâts au moral et une portée pas trop mal. Ouais, vas-y, prends ça. Avec ton... Ça ira bien avec ton pompe. Et du coup, eux, ils nous donnent... Bonjour. Let us do business. Let us do business. Let us do business, putain. Celui-là est globalement meilleur que tout ce qu'on a, sauf qu'on perd 5% de précision. Mais bon, pour plus de munitions, 2 seulement pour recharger... Globalement, on est quand même plutôt sur on gagne. Là, on fait un peu moins de dégâts, mais par contre, on gagne ici. Là, on gagne sur quasiment tout. Ah, et par contre, non, on perd la... Ah, et on perd ça. Ça, c'est dommage, ça. Donc, ouais, non. Pour l'instant, on va garder, je pense, notre équipement là-dessus. Ce qu'il faut qu'on fasse, par contre, c'est équiper le truc. Alors, toi, typiquement, tu vas prendre le blindage. Clairement. Le petit blindage au niveau du torse et des jambes, c'est qui? C'était un pantalon, voilà. C'est pour l'américain, le pantalon qui donne un point d'action de plus. Vas-y, prends. Les Français, ils ont rien de nouveau. On a ce truc-là. Non, je préfère le bonus de couverture. Pour le snipe. Et toi, dégâts au moral plus 8%. Bah ouais, carrément, avec la mitrailleuse, c'est carrément rentable. Bon, King, il a ses 2 grenades là, mais il est blessé toujours. Ok. Du coup. La furtivité, un tireur d'élite. Un tireur d'élite, c'est bien un deuxième tireur d'élite. Hein. Ouais. Là, on aura un fusil à pompe, un Beretta aussi. Et là, on a globalement des fringues, si on regarde. Un MK2 assaut. Ouais. C'est dommage qu'on puisse pas récupérer les améliorations pour les mettre sur les autres. Là, on aurait un calot, plus 4 de morale pour un britannique. Et un pantalon pour américain. Alors, pour l'instant, le seul qu'on a donne des points d'action, donc clairement, il est mieux. Mais on débloque un américain, ici. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc lui, on part avec lui. Il a un peu moins de PV, tant pis. Ces trois-là. Donc là, 10 PA, ça pique un peu. Et là, du coup, je sais pas ce qu'on peut faire. Peut-être qu'il faut avoir une mission dans la zone pour pouvoir faire quelque chose. Envoyer des forces françaises intérieures, là, mais on n'en a pas. Pour le moment, en tout cas. Alors... I
I see our army friend tied up over there, but he's under guard. Let's free him. Bon. Normalement, on a notre mec, voilà. On a notre mec qui est efficace avec un couteau. Et pour l'instant, on voit quoi? Alors ça, c'est du barbelé qu'on peut pas couper, semblerait-il. Lui va partir en... va partir par là-bas, donc il faut qu'on se planque. Lui explore de ce côté-là. Donc, on doit atteindre le camp sans se faire repérer, éliminer l'officier avec Hanson. J'imagine que c'est lui, Hanson. Ouais, ok, donc faut le libérer, puis tuer l'officier. On va déjà essayer de rentrer dans le camp sans être repéré, si on peut. Sachant qu'il y a l'air d'avoir des foutus barbelés partout, j'imagine qu'on va pouvoir les couper ou faire un truc. Partir par là-bas, mais il y a l'air d'avoir aussi des barbelés là dans le flou. Ok. Toc, toc, toc. On va jouer sur les buissons. Lui, il va aller par là-bas, donc on va aller se poser dans les buissons également. Toi, tu vas t'occuper de lui, parce que comme il est en terrain découverte, si tu gagnes 3 points après une élimination, tu pourras te le faire. Ici, on se planque dans les buissons. Ah, je pourrais presque le tuer direct, mais il y a lui qui va avancer. Oh non, c'est risqué quand même. Ouais, je suis obligé de me mettre là, non. Bon, ça vaut pas le coup de se précipiter, on va se détendre. Il va nous repasser juste devant et on est planqué dans nos buissons. Donc, pas de stress. Voilà, toi. Parfait. T'as tes petits points d'action pour aller te mettre dans ton buisson. Alors là, du coup, lui se barre par là-bas. Ah si, on va pouvoir couper les barbelés, ok. Lui se barre par là-bas, ce qui est plutôt parfait. On va aller se foutre dans le buisson. Hop là. Est-ce qu'on a notre mec qui peut couper les barbelés gratos? Enfin, pas gratos, mais sans bruit, non. On n'a pas notre mec qui peut couper les barbelés sans bruit. Donc, tant pis. On va se mettre en position dans notre petit buisson pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Moving. Et... Alors lui, il nous regarde là. Et après, il part par là-bas. Ah, salut toi. Part dans l'autre. Ok, part de l'autre côté. Donc au pire, je pourrais me le faire. Sauf qu'il y a lui qui vient là. S'il va jusqu'ici, il risque de me voir. Donc non, on va se calmer. Ce qu'on peut faire, c'est couper un petit peu de barbelé et aller se mettre dans un petit buisson en mouvement dans le camp. Voilà. On a atteint le camp sans se faire repérer. Bien joué les gars. On s'infiltre. Lui part par là-bas, lui part par là-bas. Donc on peut gagner un petit peu de casse par ici. Ok, il y a du monde.
Ça coûte 4 pour couper, donc on sera un peu exposé. On pourrait se débarrasser de tout cela éventuellement. Vas-y, viens là. Ouh, putain, oui. Ça apparaît d'un coup là. Ouais. Recule. On est planqué. On est bon. Lui se barre par là-bas. Ok. Alors lui va faire demi-tour. La question est donc, est-ce que si on libère Anton, il a un tour ou pas? Faire une petite sauvegarde rapide pour voir. Qu'est-ce que tu fais? Très bien. Thanks. I've had enough of the local hospitality. On va espérer quoi du coup? Ok, c'est bon. Celui-là, détection. Ah oui, c'est pas, on peut pas le tuer en une fois. Ok. On est obligé de se faire détecter. Très bien. Bon, du coup, prochain tour, on est détecté, donc comme ça, au moins. Ça va être vite vu. On va rentrer là. On va aller se placer ici. On va probablement engager avec lui, je pense. Sur celui-là. Toi, du coup, tu peux aller où? Jusqu'ici. Ça va être un bar, donc en termes de tir, on pourrait se mettre par là et mettre une surveillance par là-bas. Hop. Ici. Alors ici, on n'est pas à couvert, attention. Et à lui qui va se retourner pour nous allumer. Donc on va se mettre en embuscade comme ça. Vérifiez votre secteur. Ouais, lui il est un peu à poil malheureusement, mais on n'y peut pas grand chose. Donc, on va faire une surveillance sur l'officier. Et ici, on ouvre. Excellent. Un de moins. Vas-y, attaque. Excellent. Là, pareil. Très bon. Et avoir du renfort. Notamment toi, tu vas te faire un petit peu dépouiller. Non, ça va, on s'est fait rater. Alors lui, par contre, il va pas nous rater, je pense. Bien sûr que non, tu vas pas te laisser faire. Tout va bien. Pas de stress. Alors quoi, si tu te mets là... Je peux balancer une excellente grenade là. Ça plaise. Le camion va exploser en plus. Faudrait que tu te rapproches éventuellement un peu par contre. Pas beaucoup d'options pour ça. Il a des PV cet enfoiré. Hein. Lui aussi, cela dit. Il commence à avoir de la vie, hein, les mecs. Hein. 50% de critique. Pas assez, dommage.
coming out! Ich werde flankiert! Ouais. Pas ouf. Tu peux lancer une grenade ou pas? Ouais, mais c'est pas ouf non plus. Est-ce qu'il est dans la zone là, l'autre? Il est dans la zone. On va tirer sur le camion. Voilà, comme ça on finit celui-là. On n'en parle plus. C'est pas si mal. Alors là, il y a l'autre qui est en surveillance ici. Mais on peut venir là. En mouvement! Et là, on a une plutôt belle grenade. Ça pique le moral. Parfait. Et toi... Ah, t'étais toujours caché, toi, tiens. Rigolo, ça. Ça se fait. Alors toi, le problème, c'est que si tu tires... Tu vas tirer sur tous tes potes. Et en plus, t'as que 10 points. En plus, t'as que 10 points. Mais si je te mets là, tu peux faire une couverture sur ce côté. Ce qui est pas si mal. Bah oui, on est repéré. Je sais pas pourquoi il est resté caché, lui. Il a peut-être une compétence qui m'a échappé. Vas-y, couvre par là. Ok, on fait du mal à moral à notre copain, malheureusement, mais... Ouf. Des renforts par là, des renforts par là. Il va pas falloir qu'on traîne trop, hein. Globalement, on leur a fait mal, mais on les a pas tués. Et ça, ça coûte ça. Tu pourrais booster le moral un coup, toi. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que ça vaut le coup. Voilà, on monte à 10 points comme ça. C'est excellent. Alors, toi, avec ton Enfield, là, qu'est-ce que t'as? 25% là, et c'est tout ce que tu vois. C'est très mauvais. Ça, c'est de la couverture complète, donc c'est du 0% de chance de toucher. Pas ouf. Là, il nous reste une grenade, là. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Que ces deux-là. Ouais, que ces deux-là, ça me va bien. Et Hanson, il va faire sa petite vengeance. Allez, bon. Vengeance, Hanson, vengeance. Parfait. Très bien joué. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, on peut aller jusqu'ici, mais 8 pour activer juste sur ça, c'est un peu trop coûteux. Par contre, tu peux allumer celui-là. Ouais, pas si mal. Toi, tu peux venir jusqu'ici et allumer celui-là, et toi venir là et allumer l'autre. Non, on tue même pas. On tue même pas. C'est hyper coûteux. Bordel. Là, on a du 0% partout. Impressionnant. Si je viens jusqu'ici, je le vois pas. Si je viens jusqu'ici, je peux peut-être le finir avec mon... Je peux tenter. Je viens jusque là. Ah, mais je peux peut-être le faire au couteau, d'ailleurs. Oui, au couteau, c'est encore mieux. Vas-y, au couteau. Excellent, ça c'est fait. Et du coup, la question, c'est lui, là. C'est un enfoiré à la mitrailleuse. J'ai que 10 points, donc il faut que je vienne ici. Tant pis pour celui qui est là-bas, là, mais...
Putain, la vache, on a du mal à les faire tomber, hein, purée. Les renforts sont assez loin, heureusement. Ils nous flanquent. Ouf. Flanken Sie hier. Stellung halten. Alors, la sortie est tout là-bas. Ok, donc il faut qu'on progresse par là-bas. Mag's almost empty. Mag's almost empty. Yep. Trop loin pour un coup de couteau. Yep. Et là, on va être bien à découvert, là. J'aime pas trop ça. What's the plan? Frag out! In the goal! Ils sont morts. Bon, ça a coupé leur, leur truc, au moins. Chop, chop! Ich werde flankiert. Ils sont pas morts, hein, la vache. Les saloperies, quoi. Ok, celui qui est derrière est brisé, c'est parfait. Ça nous permet de progresser un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un grenadier et un mec que je sais plus comment ça s'appelle. On va couvrir par ici. Et tant que les copains avancent un peu. Ici, on peut avoir une couverture. On pourrait avoir un tir de couverture ici, mais c'est quand même hyper loin. Pourquoi je peux pas venir là? Je ne sais pas. Va falloir qu'on avance dans une zone vraiment à découvert ici. C'est ça qui m'emmerde. Pourquoi il peut pas venir là? Bizarre. Bon, pas très grave. Tant pis, j'ai envie de dire. En mouvement. Mon flag est offen. Vas-y, occupe-toi de ça. Lui, il est un petit peu trop loin, malheureusement. 0% de chance, mais par contre, je fais tomber son moral. Vas-y, allume. Au moins... Ah putain, il a pu nous tirer dessus. Contrôle ton bereich. Sérieux, t'avances pas dans la zone? Ah, le salaud, quoi. Ouais, vas-y, allume-le. C'est bon, ça va bien deux minutes les conneries. Toi, tu peux prendre la trousse de soins, là. Ah, mais faut que tu sois ici. Bon, fais chier. Est-ce que tu peux tirer d'ici? Ah, tu vois pas les autres là-bas? Bon, bah, du coup... Prends ça. Et d'ici, tu vois pas les autres enfoirés là-bas, sérieusement? Putain, c'est la merde, ça. On se met ici, genre pour être un peu à couvert. On se fait celui-là. Ou pas. Ou pas, il est un peu tanky. Par contre, toi, faut que tu te tires d'ici. I'm low on ammo. Yep. On revient pas que toi, tu vois personne d'ici, quoi. C'est tellement abusé. Bah, tu vas avancer jusque-là, tant pis. Même si c'est pas ouf. Là, on va foutre la surveillance un peu plus large, puisque visiblement, ça ne marche pas sinon. On va se mettre là, on va reload. Et on va protéger ici, si le type veut avancer. On progresse pas assez, hein. On progresse vraiment pas assez. Ce que je craignais, hein, il avance de... Il pouvait se mettre à couvert sans rentrer dans ma zone, donc...
position. L'ennemi approche. Oh, joli ce double tir là. Oh, très joli double tir. Bon, par contre, toi, tu commences doucement à me lourder. Oh, il a acheté la ferme. Bien. Pareil pour toi d'ailleurs. You want me? Il y a du blindage. Et toi, c'est beaucoup trop loin, en plus faut que tu recharges. Ah, tu peux même pas recharger à cause de ton malus. Vas-y, tente. Ok, au moins on va pouvoir péter son moral. Moving. Sie greifen meine Flanke an. Ich schaffe das. Voilà, le petit moral qui manquait, il ne fera plus rien. Ici, on va recharger quand même, on va courir. Courir, pas des masses. Hein. Encore par là. Toi, tu vas aller te foutre en position par là-bas. I'm flanked. Mach, dass es aufhört. Meine Kameraden zählen auf mich. I'm full of piss and vinegar. Vas-y, recharge. What do you need? Quoi? Le petit coup de couteau. Ah! He bit the bullet. He's gone belly up. Yeah. T'as tes 3 points. On s'en occupera après. Vas-y, avance. Ouais, va là-bas. Fais-nous une couverture par ici, s'il te plaît. Ouais, tu recharges. Ça te coûte un seul de recharger. Waouh. Excellent. Ouvre par là. Ouais, vas-y. Couvre par ici. Toi, t'as vraiment pas grand chose, mais tu devrais pouvoir t'en tirer au prochain coup, donc pose-toi là. Help! They are on my flank! Augenaufenthalten! Pull yourself together! I gotta reload! T'as tellement aucun endroit où on peut se mettre. Vas-y, va là-bas. On sait pas où ils sont là pour le moment. Moving. What's the plan? Toi, t'es même pas encore à portée. Bah, vas-y, recule un peu. Au moins, tu seras à portée. Et toi, tu peux courir jusqu'ici. Bah, cours jusqu'ici. Des renforts ici. Ok. Il s'approche petit à petit, mais pas encore assez. Est-ce qu'on peut sortir, là? Là, on peut sortir. Non, là, on peut pas sortir du tout. Celui qui est à 10, encore moins, du coup, j'imagine. Ok, on recule d'un cran. On va protéger de ce côté-là. Toi, tu peux pas sortir non plus, faut que tu te mettes là. Vérifiez votre secteur. Et toi, ben, tu vas courir ici parce que j'ai peur que tu tires par-dessus les oreilles de l'autre sinon. Contrôlez votre bereich. Target. I feel like Bradman at the crease. Ok, là tu peux sortir. Là tu peux sortir. Là tu peux sortir. Oh, t'es sérieux, tu peux pas sortir toi. Move it! Bah écoute. Covering the area. Couvre de ce côté. Et puis bah là on va voir couvrir encore un peu. Hein. Est-ce que toi du coup tu le vois pas l'autre là-bas? Ok. My location's covered. C'est-à-dire que toi t'es un peu tout seul à prendre les coups là. Move it. Donc tu vas reculer. Moving.
covering the area. Toi, tu peux sortir, hein. Ouais. Tu peux sortir, donc vas-y, couvre par là. Vas-y, allume. Ça l'a calmé. Toi aussi. Au moins, ça les arrête. Déjà ça. Allez, c'est bon, cette fois. Voilà. 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 Et tu vas là. On s'arrache. Un petit renfort. Très bien. Un peu de fatigue, trop de fatigue pour Oli, il va falloir qu'il se repose. On accepte. I have two identities. In Germany, I was Lukas Aschenborn, before the Brownshirts persuaded my father to leave the country. We pitched up in New York in 1934, and in Queens, I became Luke Anson. When the war began, I enlisted and wondered, was I still German? Could I ever kill one? Then in Tunis, I shot this guy. Africa Corps. Whacked him before he could whack me. He died slowly in the dust. Horribly. Crying out for his mother. Pleading for mercy in this Schwabish accent. And I listened. I could understand every fucking word. And I felt... nothing. That was the moment I became an American. And they became Krauts. Ok, 41 jours, hein. Ça passe, ça passe. Alors, et on monte avec le criminel, parfait. Du coup, on va booster l'Île-de-France. Deux jours de moins, mine de rien, comme on est tendu en personnel, ce sera pas mal. Alors, on a un petit dialogue. I'll tell you, Vince. It's always the Poms that pull us Aussies into wars. In Canada, the French don't have that connection. My dad refused in the last war. When the police started shooting protesters, he went out and got his exemption papers. So what pulled you into the big shot? I've asked myself that. Where I'm from, we don't feel much about the old country. But when the Germans invaded, it felt like something I had to do. What did Pops think of you joining up? He wasn't happy. He tried to stop me. There wasn't much he could do, but I know he'll be the first to welcome me home. Un point de fatigue, c'est quand même vraiment cool hein, de soigner ça. Ok, on va arrêter cet épisode de VOD là, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le bon moment. Un petit coup d'eau. On fait une petite sauvegarde. Tac. N'oubliez pas qu'il y a toujours le code promo si vous voulez acheter le jeu à prix réduit avec le lien partenaire en description. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.